Écoutez, nous sommes à notre 4e édition qui, alhamdoulilah, a l'insigne l'honneur d'être placée également comme ses précédentes sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et pour nous, c'est une édition qui vient systématiquement avec de la nouveauté. Donc la nouveauté déjà elle-même se situe au niveau de la thématique qui a été retenue, à savoir l'intelligence artificielle au service des citoyens. Comme vous le savez, aujourd'hui, on ne peut plus faire, je dirais, l'impasse sur l'utilité et l'intérêt de pouvoir exploiter toutes les solutions proposées par l'intelligence artificielle dans l'amélioration du cadre de vie et surtout la facilitation de sa vie. La nouveauté également cette année, c'est qu'on a réservé un espace exclusivement dédié aux start-up marocaines pour leur donner la possibilité de mettre en exergue toutes les solutions intelligentes à valeur ajoutée au service justement soit des grands donneurs d'ordre tels que des entreprises, soit carrément au niveau des collectivités territoriales, parce que comme vous le savez, c'est surtout ces dernières qui sont consommatrices de ce type de solutions. Bah, pour nous, la vérité aujourd'hui, nous considérons que Casablanca est devenue une place, une plateforme incontournable en termes d'échange sur tout ce qui est Smart City et tout ce qui est solutions dans cet esprit-là. Et alhamdoulilah, la preuve en est, c'est l'engouement qu'on a enregistré au niveau des villes africaines pour justement prendre part, inchallah, le 17 et 18 avril à cet événement. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.